Je reviens un coup vers vous parce que il y a un truc, j'y pense maintenant, mais j'ai été con, j'ai fait une remarque à la con, mais vraiment à la con, 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 à la con. Non, c'est le tonneau, j'ai cru voir autre chose. Là, on est quelques heures après la fin de l'enregistrement, mais je suis con. Ah oh non, pas encore. Ah, pas encore, tu fais chier, toi. Donc, disais-je, j'ai été très con. Le junk loader que j'ai créé, il ne sert à rien. C'est aussi simple que ça, il ne sert à rien. Parce que un truc sur la carrière que j'ai totalement oublié, c'est qu'elle joue elle-même le rôle de chunk loader. Elle garde actifs les chunks dans lesquels elle est placée. Et ce, quel qu'il soit. Donc, on va reprendre le matos. La carte magique, ce bordel. Et on va l'installer. Une bonne fois pour toutes. Parce que j'ai été très con de penser quand. Pourquoi elle affiche plus rien? Ah, mais ça y est! J'ai été très con de me dire que ça pouvait pas. Que la carrière risquait de faire planter le chunk loader, de le détruire en fait, de le miner en même temps que le reste. Ce qui est totalement con, vu qu'en fait le chunk loader, lui, il n'est pas nécessaire du tout. Cool! Cool, j'ai tenté de dire. Pour l'instant, ça on le fout là. Non, ça on le fout là. Je veux un seau d'eau. Hop! Donc, allons-y, allons-y gaiement. Allons l'installer. L'installer au plus grand modèle possible, quitte à faire. Et si jamais ça me fait des problèmes de lag, eh bien je saurai où les résoudre, quoi. J'aurai qu'à la désactiver et l'installer ailleurs sur une zone plus petite. Ce sera pas trop grave. Oui. Et voilà notre montagne. Alors, si je me trompe pas, elle peut faire du 64 x 64 blocs. 64 x 64. Divisé par 8, ça fait du 8 chunks de long. Si on fait un chunk entier. Ça fait 8 chunks par 8. Ce qui est un volume de blocs gigantesque. Vraiment gigantesque, l'intérêt de ranger la cobblestone. Ouais, je vais peut-être même être obligé d'en détruire une bonne partie. Par contre, la terre, là, vous voyez tout le volume de terre que ça représente. Ça, il va falloir que je m'en débarrasse. Heureusement qu'il y a beaucoup d'air quand même là-dedans. Donc voilà. Là, on est au sommet de la colline. Donc si on dit 8 chunks par 8. Là, on est à quelle hauteur? Grosso merdo. On est aux alentours de la hauteur 80. Ok. La hauteur 80 en passant par là. Il n'y a même pas besoin de faire 8 chunks par 8. Hein. C'est une zone en 4x4. Là, j'en vois une sur le radar. Ça peut suffire. Ça pourrait suffire largement, ouais. Jusqu'à la hauteur 80. L'objectif, c'est de placer ces machins-là aux bons endroits. Alors attends, voir, on va marquer, on va utiliser les. Comment? Les waypoints. Alors add centre. Quoi?
Ad. Centre, je te dis. Ok, voilà. Voilà. Alors pour être sûr, on va mettre à l'intérieur du trait hauteur 80. Putain. On va mettre à l'intérieur du trait. Voilà, plutôt que de mettre sur le trait, on va assurer le coup, quoi. C'est ça que je veux dire. Là, ça veut dire que c'est ben, le bloc sur lequel je suis actuellement. J'aurai jamais assez de cobble. Ah, surtout si toi tu viens m'emmerder. Putain! Ah, ce que je voulais éviter. Fous le camp! Il y a des insectes là en bas, il y en a tout plein. Oh. On dit la hauteur 80. Comme ça, un de plus. Ah, ok, 80 à mes pieds. Il est clair que je n'aurai pas assez de cobble. Oh, remarque. Maintenant que ça s'est placé. Allez hop, à remplacer le deuxième. Sud. Oui, faut pas que je perde de vue sur le radar où je dois placer le bordel. Là, c'est le centre. Je viens de passer la moitié. D'accord, c'est pas ce coin-là, c'est le suivant. Bon, ça. Alors, c'est celui-là, c'est celui-là. Alors, hop. Ici. Là aussi, 80. Hop. 80 entre parenthèses. Voilà. Paf. J'espère vraiment que ça va marcher. Hein. Et merde. Presque. Voilà. Bon, je devrais en avoir 61 de blocs. 62, 62. Ok. Celui-là, c'est fait. Maintenant. La moitié est passée. Oh là là, je fais sûrement trop grand d'ailleurs avec mes... Mais 4x4 chunks. Chut, tais-toi, cigale, tais-toi, juste tais-toi. C'est ce coin-là. Oui, je fais sûrement beau, je fais sûrement trop grand. Eh, ça fera plus de ressources. Alors, 80, 30 blocs.
là. Normalement, ça c'est suffisant pour les placer. Pour placer la carrière. C'est très bien qu'il y ait un arbre, je pourrais utiliser mes portails éventuellement. On va voir ça tout de suite. Est-ce que c'est un placement encore... J'aimerais bien relire ce message. Quarry size is outside of chunk loading bounds. How too small. Bon, à la limite, ça je peux le décaler de quelques blocs. C'est pas un problème. Ah non, il veut pas, hein. Bon, je lui demande sûrement une trop grande surface. Attendez voir, je vérifie ça et je reviens. Ok, donc je viens de regarder, c'est bien 64 sur 64, mais le message qu'elle m'affiche, c'est typique des situations où la surface demandée est trop grande. Donc je pense que je suis bon pour péter toute cette cobble et lui demander une surface un peu plus petite tout de même. On va peut-être lui demander seulement 2 fois 2 chunks, ça pourrait être suffisant. Bah écoutez, je ramasse cette cobble là, je récupère les landmarks et je vous retrouve juste après. Elle est prête à démarrer et à la limite seulement à partir du moment où je sais qu'elle pourra fonctionner. C'est-à-dire qu'elle mettra les bonnes bordures. A tout de suite. Ok. Donc. Oh merde. Un fantôme. Je connaissais pas. Ils sont sûrement de la colline. Bon, quoi qu'il en soit, ça a l'air de marcher. C'est pas exactement un carré, mais bon, c'est pas très grave. Là, on a un coffre ender derrière. Un tuyau trieur. Qui va se débarrasser de la terre, du gravier et du marbre. Là, dans le tuyau void juste en dessous. Ce qui fait que techniquement, seule la cobble et les minerais seront récupérés. Et le bois aussi, d'ailleurs, le bois aussi, en grande quantité. Ouais, bah ça encore, ça devrait aller, il ne devrait pas y en avoir trop non plus. Donc ce sera récupéré aussi de l'autre côté. Les minerais, donc en bonne quantité. Paf, paf, paf. Là, le générateur géothermique, juste sous mes pieds. Branché à 3 moteurs électriques. Qui ont leur torche redstone donc prêt à fonctionner, tout ce qui leur manque c'est de l'énergie. Et puis ça a l'air plutôt bien autrement. Hein. Il manque pour terminer une petite source d'eau au cas où ils rencontrent de la lave au fond. Parce que je rappelle que la carrière s'arrête quand elle rencontre de la lave. Donc ce qu'il faut c'est juste une petite source d'eau comme. Je sais pas moi. Je sais pas moi, un petit truc, une petite connerie.
Off, comme ça. Voilà, là ça fait chier personne. Puis quand là ça va creuser ici, l'eau pourra s'étendre à travers l'ensemble. Puis ce sera très bien. J'imagine que ça va faire un lac monstre aussi. Si c'est le cas, j'arrêterai tout, hein, tant pis. Donc, je pense que j'ai rien oublié. Autrement, ben, on va bien voir ce que ça donne. Hein. Ouais. Le seul truc qui manque pour y mettre en route, c'est un tuyau entre ça et ça. Puis je pense que ça sera bon. Allez hop. 3. Non, le remarque, ça, je peux y laisser. Je peux y laisser, je vais juste le masquer. Ça, on saura encore où ça se trouve. Allez, 3, 2, 1. Plantage de jeu, yeah! Non, allez, go. Carrière commence par supprimer tous les blocs qui gênent. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans le secteur du grand pavé, là. Puis à la limite, là, je vais regarder pendant un moment. Je vais regarder pendant un moment, et puis vous, je sais pas si je vais tout vous montrer ou non. Un œuf qui tombe d'un arbre, tu te fous de ma gueule. Mais bon, là, il va juste nettoyer ce qu'il y a dans le secteur. Et au-dessus... Ah, d'accord, c'est là-haut. Et je pense pas qu'il va effacer l'arbre qu'il y a au-dessus, par contre. Je pense qu'il va juste s'arrêter à la limite supérieure du machin. Du rectangle. Lui, il arrive à bien se remplir. Arc, là, ça pompe bien. Ben, normal, tant que lui est pas plein, là, ça va pomper à mort, hein. Mais normalement, dans le Nether, il y a suffisamment de pompes. Bon, là, il n'y en a que 3. Avant, il y en avait 4. Mais là, ça devrait être suffisant tout de même. J'espère, en tout cas, j'espère. Pom-pom-pom. Il a encore un paquet de blocs quand même à effacer. Hein. Enfin, un paquet. Toute une couche, j'ai l'impression. Et c'est vraiment effacé ou c'est mis dans le coffre ceux-là? Je sais pas, hein. Ils ont pas l'air d'être dans le coffre. Non, ils ont vraiment l'air d'être effacés. Bon, bah c'est pas grave, hein, c'est que de la terre. De la terre et du bois, on va pas chialer, hein. C'est pas comme si c'était les blocs les plus intéressants. Alors, alors, faut que je fasse un accès. Un accès à portail, sous-entendu. Ah, ben ça y est, il commence à construire la structure. Un accès. Enfin, de quoi supporter la mise en place d'un portail. Si jamais je veux grimper. Le fantôme, il s'en va. Il est joli. Si jamais je veux pouvoir retourner au niveau de la machine. Eh ben, on va se contenter de ça, j'ai l'impression. Voilà. Comme ça, je pourrais mettre mon portail ici, puis ce sera très bien. Ouais, avec juste ça comme ça, hop. Et pour voir d'encore un peu plus haut, hop, voilà. Comme ça, on a accès à l'arbre. Ouais, cet arbre-là, il va rester immobile, apparemment. C'est pas gênant. Et donc là, ça va commencer à miner. Et c'est parti. Donc ça, c'est un bug graphique qui sera corrigé dès le prochain chargement de ce secteur. Et là, il va chercher les premiers blocs. Voilà. Et ça démarre. Ça démarre. Donc il fait couche par couche, bien sûr. En allant toujours chercher le bloc suivant, il perd pas de temps à passer en l'air, quoi.
dans sa liste, il va toujours au bloc suivant. Ça fait plaisir. Par rapport à la tortue qui, elle, va faire toute la surface sans chercher à savoir s'il y a des blocs libres ou non. Là, ça commence à récupérer du bois et des pousses d'arbres. Et les masses de terre qui qui s'en vont dans le néant, heureusement, parce que là, ça va faire des tonnes de terre. La cobble aussi, elle me remarque d'ailleurs. Peut-être falloir. Je sais pas si ça sera suffisant de l'autre côté d'avoir un seul tonneau. Si, quand même. 1024 x 64. J'ai déjà en dessous de 64 blocs, même 64 stacks de réserve. 1023 x 64, c'est gigantesque, ça devrait bien être suffisant. Faut pas déconner non plus. Parce que là, j'ai une surface de combien? De 4 chunks. 4 chunks. Enfin, un peu moins de 4 chunks. Si un chunk, ça fait combien? 8? 8 ou 16? 16, on dirait. Ouais, 16. Ça fait du 16 par 16. Du 16 par 16, donc 4 fois 16. 32, 64. Là, j'ai une surface de 64 par. Ah, ben voilà pourquoi ça marchait pas avant. Je suis à peu près au maximum là. Je suis con. Donc j'ai une surface de 64 par 64. Supposons que tout soit en cobble. Il n'y avait pas d'air, il n'y a que de la cobble. 64 par 64 fois la hauteur max. Ben, la hauteur en question là c'est environ 80. 64 fois 64. 80. Ah, remarque, on doit pas être loin. Mais vu que c'est une grande marge. Une très grande marge, non, ça sera suffisant, ce sera suffisant. Peut-être de peu, mais ça sera suffisant. Des flax, graines de flax, bon, si tu veux, je m'en servirai jamais. Peut-être même que je les détruirai en rentrant chez moi, tu vois. D'ailleurs, je peux les détruire maintenant, ça je m'en branle complètement. Donc, ben, je vais regarder un peu miner, comme ça. Et puis quand ça sera vraiment. Quand ça sera un peu plus enfoncé, je vous retrouverai ici même. C'est du petit bonus, ça c'est le petit bonus de cette session. Si ça se trouve, le bonus se fera lui seul une vidéo, qui sait. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est la dernière vidéo de la session, ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et là, il passe à la couche suivante. C'est très bien. Très bien, c'est surtout ce que ça va donner en dessous qui m'intrigue. C'est quoi ça? Racine, d'accord. Ok. Eh bien, à tout de suite, quand ça aura, entre guillemets, un peu avancé. Bisous. Et hop, la carrière va atteindre sa première roche. Donc les premiers blocs de cobble. On va d'ailleurs les voir passer, les premiers blocs de cobble. Ils sont là. Ils vont dans ce coffre-là. Et suspense. Ah, ça marche bien. Ça marche bien. Chez nous, le tuyau en émeraude sert bien à faire le tri. Et donc ils sont mis directement dans le tonneau. C'est beau. C'est beau, ça marche. Bien content que ça marche. Bien content, et ben vous savez quoi, celle-là on va finalement la laisser tourner. Laisser tourner comme elle veut. Et puis nous on va rentrer chez nous et puis. Et puis terminer. Oh puis je laisse tourner encore un peu. Je vais pas la laisser tourner sur l'ensemble, rassurez-vous. Hein. Je suis pas dingue à ce point-là, faut pas déconner. Pas ce soir en tout cas. Puis vu la surface et la hauteur. Oh, ça demanderait un paquet de temps quand même. Mais ça marche bien. Ça marche bien, on peut même aller la voir bosser sans risque. Hein. Elle est pas dangereuse pour le joueur. Vous voyez tout ça, toute cette roche. Dans un baril. Tout ce marbre qui ne nous sert à rien. Paf, supprimé. Ça c'est bonheur par contre. Vu les quantités de marbre qu'il y a là-dessous,
On en voit à travers la crevasse là. Regardez tout ça, toute cette quantité de marbre, c'est incroyable. Imaginez que je doive ramasser tout ça. Non mais la place que ça prendrait. Dans les limites que je fasse un baril que pour le marbre. Faut pas déconner. Bon, elle fait un peu par à coup par contre, hein, mais ça c'est normal. J'aime bien voir les machines bosser à notre place. C'est débile, mais j'aime bien. Ah, pardon. Les premiers minerais du charbon. Bon, bah tant pis, hein, c'est quand même bien. C'est quand même bon. Hop là. Du charbon. Garde la cobble. Allez, on va rentrer à la maison. On va rentrer à la maison. Oui, la cobblestone là est placée de façon un peu hasardeuse hein, pour placer les supports. Ah d'ailleurs, ça me fait penser, j'en ai qu'un là. Et si j'essayais de récupérer les deux autres, même sans trop d'espoir, serait-ce imaginable? Fantôme. Gentil fantôme. Ouais, il y a moyen quand même d'avoir des minerais là-dessous. Ou peut-être qu'il est encore là. Oh putain, tant pis, les landmarks, ça coûte quoi? Une torche redstone et une unité de lapis lazuli? Pff, faut pas déconner, c'est pas non plus excessivement cher à fabriquer. Bonjour, Paul. C'est pas excessif, faut pas déconner. Bon. Bon, ben ça va être l'occasion aussi de vérifier si ça nous fait laguer une fois qu'on est de retour à la maison, dans le monde réel. Parce que ça garde quand même 4 chunks chargés en permanence. Donc on va voir. Hein. On va voir. J'espère que non. J'espère que non, mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et puis si c'est le cas, si c'est trop important, on arrêtera la chose. Ça, par contre, je peux pas passer à côté. Ça, je peux pas passer à côté. Je suis désolé. Ça, je peux pas passer à côté du tout. Allez, donne-moi ça. Voilà. Alors, le portail, taille. J'oublie rien ici. On va s'en assurer quand même, ce serait con d'oublier quelque chose. Ah bah tiens, allez hop, je vous embarque. Retour maison. Moment de vérité, lag or not lag. Parce que si ça lag pas maintenant, il n'y a aucune raison que ça lag plus tard, quoi. Ça a pas l'air de laguer. Je suis tenté de dire que c'est une réussite totale. Oui, là les 4 fonctionnent, ils fonctionnent normalement. Là, la lave est bien remplie. Là, ça progresse bien. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Oui, l'affichage foire un peu, mais bon, c'est pas de sa faute. Très bien. Lui, je pourrais limite le déplacer pour le mettre bien à côté. Ce qui sert pas seulement à rien, je le mettrais même là-haut à la limite. Bof. Bof. C'est vraiment du détail, ça. Toi. Voilà.
Toi aussi. Puis toi, on va te mettre juste après. D'ailleurs, je sais plus si tu fonctionnes, toi. On va tout de suite voir. Non, ça fonctionne pas. Bon, ben, le problème est réglé. Hop. Alors, un poêle de rangement. Ça bosse encore, ça, rassurez-moi. Oui, ça bosse encore. Très bien. Très très bien. Puis un seul moteur redstone a l'air suffisant pour gérer l'afflux de cobble. Ah ben j'ai tout plein de fer sur moi. Je vais le faire fondre lui aussi dans la foulée. Ce que je voulais voir, caillasse. Et j'ai pas mal de minerais là aussi. J'avais oublié que j'avais ça. Bon, encore aluminium, plomb, ça d'accord. Mais ceux-là, je peux les faire macérer et fondre. Je suis un bête de pas le faire. Quoique, j'en ai pas spécialement besoin pour l'instant de ceux-là. On va le mettre là, ça on y fout là, ça aussi. Ça aussi. Sheet map. Tiens. Ah, de la cobble. Tout, tout, tout. Ouais. J'ai gagné. Ça rentre dans ce coffre-là plus vite que ça, que le moteur Redstone ne peut sortir. Mais ça, à la limite, on s'en fout. On s'en fout. Lui, il a tout son temps pour y sortir. Il sort bien, bien assez vite. Même si ça s'accumule un peu là, il y aura bien un moment où ça se calmera un peu. Il y a quoi d'autre à ranger? Il y a ça aussi à ranger. Il y a ça aussi. Ça aussi. Je vais y foutre là-dedans par défaut, vu que je sais pas vraiment où y mettre. C'est ainsi, désolé. Ça d'accord, ça je garde sur moi, et donc là il reste le fer. Le fer que j'ai en poche et que lui on va quand même mettre là-dedans, parce que mine de rien, c'est plutôt important. Et là les stocks sont pleins. Ils sont pleins, ils sont pleins. J'ai arrêté les slimes parce que là c'est plein, donc ça sert un peu à rien de les faire tourner. Je peux encore augmenter les stocks en complétant là-haut la colonne, mais bon. Ensuite, l'étape suivante, si on n'utilise pas ça, ce sont les grands réservoirs qui peuvent contenir des centaines de seaux. Mais ça, c'est un peu trop grand, je pense. Pas besoin d'aussi grand. Ça, déjà, c'est déjà amplement suffisant. D'ailleurs, bof. Je pense qu'on va s'arrêter. J'aime bien ça, c'est bien, c'est bien. Bien. Ça s'accumule très légèrement, mais c'est pas grave. Ouais, c'est la cobble, je vais pas en manquer. Qu'est-ce qu'il y a comme recette à base de cobble qui puisse être intéressante? Je dis bien qu'elle puisse être intéressante, hein. Intéressante dans le sens où il y a une certaine notion de rentabilité. Parce que la cobblestone est gratuite, d'accord, bon ça on s'en fout. Je vais pas m'amuser à faire des pioches à foison. Je sais pas ce que c'est. Je m'informerai éventuellement. Non. Tuyau, ce serait idiot. Blockbreaker déployer, non. Ça ne m'intéresse pas. Et là-dedans. Ouais, pas grand-chose également. Hein. Je dirais même rien du tout. Je sais pas ce que c'est.
Bon, d'accord, admettons. Pour faire du sable, ouais, mais bon, le sable. Le sable, ensuite, il faut voir l'utilité du sable, quoi. L'utilité du sable, ça peut être quoi? Je sais pas, hein, là, je vais accumuler des tonnes et des tonnes de cobble. Faut que je vois quand même si ça aura une utilité quelconque. Je peux à la limite le transformer en sable, mais ensuite. Oui, le sable, je le transforme en verre ensuite si tu veux, mais c'est pas. Oh, remarque le verre, ce qu'il peut faire. C'est des machins comme ça. Ouf. Remarque, ça pourrait marcher, on pourrait en faire plein de trucs comme ça. Plein de réserves, mais des réserves sous cette forme, c'est pas non plus ce qui est idéal. Bon, quoi qu'il en soit, ça c'était le bonus, la dernière partie de cette session, qui est bien suffisante comme elle est, avec les zombies cochons en bas. Puis c'est à cause des zombies cochons, ça, j'en suis sûr, c'est leur faute. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire avec les zombies cochons. Ce qu'on va faire avec les zombies cochons, c'est. Dans l'hypothèse où je veuille faire une ferme automatique à lingots d'or. Elle n'est pas attribuée celle-là, hein. Très bien. C'est bien, ça use l'épée, mais ça ne tape rien du tout. Tu te fous de ma gueule? Oh! Oh, c'est quoi cette connerie là? C'est comme s'il n'existait pas cela. Comme si ce n'était que des images. Peut-être. Ça me semble bizarre. Très bizarre. Trop bizarre. Bon, bien. Et bien voilà. Allez. Ouais! Jackpot! Avec de l'ambre et ce genre de saloperie. Bon. On verra bien vers quoi ça nous mène, hein. On verra bien vers quoi ça nous mène. Allez, à la prochaine. Salut. Vous vous souvenez quand j'ai dit que je n'allais pas faire de mal au petit lapin? J'ai menti. Hé 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 hé.